frère, depuis quand il y a des vélos sur le jeu? What? Depuis quand il y a des vélos sur le jeu? Ok, je découvre un truc qui doit exister depuis la nuit des temps. Il est déjà 16h. Archlore. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. J'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui, moi je vais extrêmement bien. Regardez ce magnifique camion, regardez cette magnifique cargaison. On est de retour dans la neige, ça fait plaisir. Comme d'habitude, plein de choses à dire. Mais avant toute chose, n'oubliez pas le pouce bleu. Cette vidéo sortira vendredi 17, c'est bientôt Noël les gars. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un petit MAN, un MAN TGX cabine XXL. Attention, que j'ai un petit peu customisé à ma sauce, mais pas trop. Pas trop, c'est-à-dire que le châssis, c'est un 6x2 rapproché. Je m'en fous si ça fait kéké par rapport. Eh, vous avez vu la cargaison qu'on a là? On a besoin d'un bon camion, voilà. Et j'ai modifié aussi, c'était à la base un 320 chevaux. C'est un 400 chevaux maintenant. Voilà, j'ai pas non plus mis 600 les gars. On n'est pas là pour exagérer. Donc voilà. Au niveau du skin, je me suis fait le petit plaisir de Noël. Ah, regardez. Attention. Hop, ça clignote. Voilà, c'est le petit... Je vous ai dit que quand on arrivait à Noël, je ferais ça. Je vous ai dit que je le ferais. Je l'ai fait. Je suis content. Sinon, rien de plus. On peut faire un petit peu le tour de la du camion. Donc voilà ce qu'on transporte aujourd'hui, des cadeaux de Noël les gars. Voilà, de retour pour les livraisons de Noël. Je suis très content parce que précédemment on a fait un live sur Euro Truck. La rediffusion est disponible, mais c'était pas terrible en fait. On a découvert la 1.43. Bon, par rapport aux nouveautés qu'il y avait, c'était pas fou hein. Le problème c'est qu'il y avait plus de neige, il y avait pas de promode. Promode n'est pas compatible encore, etc, etc. Tout est bien attelé, c'est bon, parfait. On va pouvoir rentrer dedans, tout simplement. Hop, tac, on est dans le camion. Et regardez-moi ça, les gars. On est très très bien. Comme promis, les guirlandes en haut de la cabine. Là, on est vraiment pas mal. Le petit paquet cadeau. Le petit... Alors, je m'excuse, j'ai mis deux fois le GPS. Je suis désolé. En fait, je pensais qu'il n'y avait pas le GPS. Voilà, je pensais qu'il n'y avait pas le GPS. La petite tasse Mcolo. Des petits cadeaux pour les enfants qui sont sages sur la route. Le petit coussin Mcolo. Alors, les gars... On peut en parler, vous pouvez l'acheter pour de vrai. À la base c'était, souvenez-vous dans une précédente vidéo, j'avais dit pour rigoler, voilà le coussin il sera bientôt en vente. Je me suis dit c'est quoi, bah c'est drôle, bah vas-y on va le faire pour de vrai. On va le faire pour de vrai. Ça, ça coûte dans la vraie vie les gars 18,98€, j'ai fait au mieux les gars. J'ai fait au mieux, je vous mets le lien en description les gars. Si ça vous intéresse, vous allez passer vos meilleures nuits avec. Mais vraiment ce coussin là, à peu près hein, en vrai il est carré je crois, il est pas rond. Eh, hey, on est sur Euro Truck. On peut pas non plus tout faire comme on veut. Et ben voilà, bref, il est vraiment disponible dans la vraie vie maintenant. Et puis c'est tout niveau customisation hein. On va pouvoir partir. Nous sommes où les amis? Nous sommes où? Je vais vous le dire moi. Je vais vous le dire, on est à Ikea. Non, on est à Aarhus. Et ça se situe ici là dans le nord hein, près de Copenhague, voilà. Et on va aller ici à Kristianstad. Et on a une très sympathique route qui nous attend. Ah oui, alors parce que sinon il faudrait passer par là. Ah, ça ce serait plus rapide, mais du coup c'est de l'autoroute. Le problème c'est qu'on va pas, et soyons pas cons, on va pas prendre le ferry juste parce qu'on veut pas prendre l'autoroute. Dans ce cas là c'est complètement débile. Donc on va quand même prendre l'autoroute. On n'a pas le choix, hein, pas déconner non plus. On va prendre l'autoroute. Là cette petite route on la connaît pas, mais ça reste une autoroute aussi. C'est un petit peu dommage, ouais, en effet. Mais dans tous les cas frère, eh, ça aurait été de l'autoroute aussi là. Hein. Eh, faut pas se foutre de ma gueule, hein. Dans tous les cas c'était de l'autoroute, hein. Allez, on va décoller. Temps restant 10 heures, on a 8 heures de route. Pardon? C'est beaucoup ça. Hein, on décolle. On va pas tout comprendre. Hop, on décolle. Regardez comme on est vraiment bien. Là, on est très très bien dans ce petit camion. Ce petit MAN qui fait extrêmement plaisir. Allez, on sort par ici. Vraiment, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez me bombarder la barre des pouces bleus. Les pouces rouges. Comme d'habitude. En vrai c'est bien. En vrai c'est bien, il n'y a plus de pouces rouges. Hein. En vrai, au début, enfin, il y a un côté qui m'embête. Il y a un côté qui m'embête. Et il y a un côté qui me plaît. Le fait qu'il n'y ait plus de pouces rouges, en vrai, ça me donne envie de sortir de ma zone de confort et donc de vous proposer des choses différentes. Mais en même temps, bah,
ça fout un peu le seum parce que ben t'as plus ce ratio. Donc quand t'es fier de toi, bah t'as pas vraiment ce truc qui dit, t'as vu, y a pas beaucoup de pouces rouges et j'ai réussi mon coup et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, c'est un sujet, c'est un débat. En tout cas, voilà, là on est parti et on est très très bien. Et c'est beau là. Là c'est beau, enneigé et tout comme il faut. Ah, il faut qu'on parle les gars. Il faut qu'on parle. Évidemment, je vais rouler comme d'habitude, à savoir très très bien. J'ai les pleins phares d'activer depuis tout à l'heure, excusez-moi. Je m'excuse. Il faut qu'on parle. Alors, ceux qui étaient présents à un de mes précédents lives, du coup, de Euro Truck, encore une fois, rediffusion disponible, je mets tout en description, les gars. C'est pareil, les gars, il y en a qui me demandent c'est quoi mon mode pour la neige. C'est en description, je ne blâme personne, je ne me moque de personne, mais c'est en description, les gars. Il suffit juste de lire, vous cliquez. Je vous jure, j'ai écrit mode neige, double point. Il est là, le mode neige, les gars, il est là, il est écrit. Bref, donc tout est en description, les frérots. Ceux qui étaient donc... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc incroyable. On sort ici, hein. On sort ici, faisons pas de conneries. Je continue ici à Colding. Ok. Voilà. Donc dans le précédent live, je vous disais que j'avais plein de projets, plein de nouvelles idées pour cette année-là, qui arrivent sur YouTube et sur Euro Truck, donc. Et j'avais des idées vraiment sympas, que j'ai toujours, évidemment. Bon, continuer les convois abonnés évidemment avec grand plaisir, hein. Mais la vérité c'est que j'aimerais faire des découvertes de maps. Et ça je l'ai dit en live, donc là je vais le redire en vidéo de manière un peu plus posée. Et je vais vous poser justement ma problématique. Ah là c'est... Tout de suite c'est, ça, hein. Le camion est moins puissant que les autres, hein. C'est un peu plus réaliste, hein. Attends, il faut se concentrer dans la vie, hein. C'est pas facile, hein. Direction Colding. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'aimerais découvrir des nouvelles maps. Alors, il faut savoir qu'en gros, voilà, c'est simple. Là, j'aimerais terminer l'année dans la neige, évidemment, hein. Continuer et terminer les livraisons de Noël, ça c'est vraiment sympa. Mais en fait, il me manque de nouveau ce truc d'aventure, de repartir à zéro, etc. Il me remanque ce machin. Donc, il faut que je reparte sur de bonnes bases. Et pour ça, j'ai eu cette idée de faire des découvertes de maps. En gros. Là, on va terminer l'année, on continue les livraisons de Noël dans la neige. Et après, on verra. Mais j'aimerais faire de nouvelles aventures en parallèle un peu, mais des petits trucs de découverte de map. C'est-à-dire, bah évidemment, il y a My Goodness qui déchire tout avec Grand Utopia et donc qui fait son extension My Gotopia. Et j'ai hâte d'avoir des news. Et ça, je vais y aller à fond, les gars. C'est pour ça, là, j'ai vraiment hâte. Mais quand il y aura My Gotopia, que ce sera vraiment qu'il y aura un maximum de routes et tout... Là, évidemment, les gars, me posez pas la question. Vous savez très bien que je ferai toutes les routes dessus. Que ce sera presque du... en fin de compte, c'est repartir à zéro. Parce que bah, le but, ça va être de découvrir toutes les routes. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est, à côté de ça, découvrir d'autres maps. Des maps fun, des maps arcade, des maps réalistes, peu importe. J'essaye, ça ne fonctionne pas. Je suis une merde. Je ne comprends pas. Parce que vraiment, si vous voulez me poser des questions, comment installer des mods, je peux vous répondre. J'ai tout compris. Je comprends tout. Sauf, visiblement, les maps. Je sais tout faire. Je sais custom tout. Vraiment, hein. Je ne sais pas installer des maps. Ou alors, c'est moi qui ai pas de chance, qui tombe sur des mauvais liens, ou que les maps ne marchent pas. Parce qu'évidemment, My Utopia, j'ai aucun problème, par exemple. Là où je veux en venir, c'est par exemple, quand j'ai eu cette idée, je suis tombé donc sur un site où il y a plein de mods, et il y avait une map de type Brésil, genre forêt amazonienne, tout ça. J'étais en mode, waouh, magnifique. Voilà, du coup, je vous le dis, je vous spoil, c'est pas grave. Et donc, je voulais clairement aller dessus, hein, et faire une vidéo dessus, et franchement, vous aurez trop kiffé. J'aurais trop kiffé aussi. Sauf que la map ne fonctionnait pas, manifestement. J'ai pas réussi à la faire fonctionner. Voilà, c'est-à-dire que j'ai lancé le machin. Il faut que je reste au milieu, on est bien d'accord, hein. Ouais, ouais. Ça ne fonctionne pas. Donc bon, très bien, ok. Je me dis, je vais essayer FSG Map. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je pense que vous connaissez, c'est assez connu maintenant. Donc une map qui représente l'Alsace. C'est chez moi, les gars. Et vous m'avez tellement conseillé de l'essayer. Je me suis dit, bah c'est le bon moment. Tu vois, c'est le bon moment. Il se passe plus grand-chose en termes de nouveautés. Vas-y, je vais y aller. Je n'arrive pas. Les modes sont là, je les active. Donc je me fais un nouveau profil, bien sûr, hein, etc. Je les active direct. Ça ne fonctionne pas, il ne se passe rien. Encore pire, hein, je pense qu'il y a un bug en vrai. Parce que c'est pour dire que ça fonctionne à moitié. Quand je mets FSG Map, donc qui est une map qui est pour l'Alsace.
Enfin, en partie, je crois qu'il y a plus de choses. Il y a aussi l'Allemagne, etc. Attends, vous inquiétez pas, je vais pas l'écraser. Voilà. Ça, c'est pas cool à voir, ça. Hein. Bref. Et ben, quand je fais ça, il me dit, voilà, sélectionnez votre ville de départ dès le début. Et en fait, je n'ai même pas le choix. Je ne peux que choisir Strasbourg. Je ne peux que choisir Strasbourg. Mais dans tous les cas, la map, c'est la map... avec tous les DLC, tout quoi. C'est pas la map FSG map. Bref, en gros, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé avec deux maps et j'ai le seum. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis nul? Est-ce que je suis tombé sur les mauvais liens? Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars. Moi, je suis carrément preneur. Moi, je suis carrément preneur. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un autre mot pour décrire ce qu'on est en train de voir actuellement là? Je ne regrette pas de prendre l'autoroute. Parce que là, on passe un bon moment, les gars. Là, on passe un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. C'est très beau. Quand on va enlever la neige, ça va faire bizarre. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte aussi de découvrir de nouvelles maps. J'ai hâte de MyGotopia. J'ai aussi hâte... Alors, vous voyez, quand on va finir cette période hivernale... Enfin, non. Quand on va finir cette période de Noël, j'aimerais quand même qu'on retourne un peu sur le DLC, peut-être Iberia. Pour découvrir les fameuses nouvelles routes en 1.43. J'aimerais bien découvrir aussi... Alors, je vais me permettre de faire un petit moment de pause sur le jeu, si ça vous dérange pas. Je voulais y aller aujourd'hui, mais du coup, j'ai pas pu, j'avais pas de mission. Là-haut, là, c'est, je crois que c'est l'Islande. Je n'ai pris aucune route d'Islande. Alors, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Qu'on se fasse carrément... Alors, pas une série, parce que ça durera quoi? 5 épisodes? 6 épisodes? Mais bref, en gros, qu'on découvre l'Islande, genre on fasse un rush... Pour découvrir tout l'Islande. Un peu comme si c'était Grand Utopia. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si c'était une map à part entière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, les gars. Et ça, c'est... Voilà. C'est un peu comme mon idée, mon concept de découvrir une map. Tu vois? C'est un peu... C'est ça, finalement. Là, je découvre un pays, quoi. Ça peut être sympa. Je suis assez partant. Mais j'attends de voir si vous, vous êtes chaud. Qu'on découvre l'Islande ou pas. Si oui... Est-ce qu'on met la neige ou pas? Parce que est-ce qu'en Islande il y a de la neige? Ça je ne sais pas. Dites-moi tout ça, dans tous les cas avec la neige c'est magnifique. Peut-être qu'il y a de la neige par défaut là-bas, j'en ai aucune idée. Donc si vous savez tout ça, vraiment j'attends avec impatience vos retours, vos commentaires. Et voilà, comme ça on pourra repartir sur de bonnes bases. Donc vraiment focus pour l'année qui arrive. Vraiment je vais focus MyGotopia, hein, très clairement. Les gars, my goodness, tu peux compter sur moi frérot. Mais vraiment ça déchire tout, je vais focus ça de ouf. Et si ça fonctionne, bah pouvoir découvrir des maps en parallèle pour le fun, pour la détente, pour le dépaysement. T'imagines, on aurait pu rouler dans la forêt amazonienne, je vous aurais fait la surprise, mais en fait j'ai pas pu parce que ça ne fonctionne pas. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas bien grave. Voilà, comme quoi les mods sur le workshop sont quand même beaucoup plus simples, quoi. Et j'ai même pas vérifié si c'était pas sur le workshop directement. Si j'avais su, j'aurais regardé, mais bon bref. En tout cas, voilà, comme ça vous êtes tenu au courant un petit peu des news et vous savez un petit peu où j'en suis à ce niveau-là. Et puis voilà, bah pour le reste, c'est que du kiff, quoi. C'est que du kiff. Ils sont chiants parce que c'est bien, SIS Software, ils font plein de mises à jour à fond, c'est génial. Mais du coup, le problème, c'est que vraiment, ils enchaînent tellement les mages. ProMod, à chaque fois, il est plus... ça suit plus derrière. Ça suit plus, c'est fort dommage. Et cette idée, j'aimerais vraiment la faire pour le coup. Mais ça demande tellement du temps et de préparation, mais j'aimerais tellement la faire cette idée. Un convoi abonné, faire des convois abonnés, mais dans lesquels il y en a qui sont en voiture pour guider les... ce serait vraiment génial. C'est-à-dire, imaginez que jusqu'à présent, t'aurais pas pu te mettre un peu plus en sécurité, mais les flics ici, ils sont complètement cons. Le MCO policier est en train de parler. En gros, imaginez la dernière vidéo convoi qu'il y a eu. Comme toutes les précédentes qu'il y a eu. Donc avec Théo Camillo, Seb, etc. On était quoi? On était 6-7? On était 7 par exemple. Bah, alors on va dire 8. 8 pour au plus simple, hein, parce que pour diviser par 2. Et en gros, imaginez que du coup sur les 8, il y en ait 4 qui soient en camion et 4 qui soient en voiture pilote. En voiture pilote. Genre 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ou entre chaque camion, je sais pas encore trop comment faire. Ça peut être vraiment là. Plus j'en parle et plus cette idée me fait kiffer. Maintenant... Il faut que je fasse des tests, il faut que j'essaye avec 2-3 personnes en off tranquillement quand j'ai le temps. Il faut vraiment faire un essai pour voir si ça fonctionne comme moi je l'entends. Et si tel est le cas, bim badaboum, c'est le concept. Même si, très sincèrement, le temps que je le fasse, il y aura déjà des gens qui auront fait ça. Et je pense que ça a déjà été fait en fait, j'ai aucune exclusivité. Mais disons que voilà, ça reste une idée originale parce que bah, je l'ai eu de moi-même.
Mais voilà, ce serait vraiment un contenu très 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 intéressant. Pff, oh là 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 là, mais guette-moi ça comme c'est beau. Guettez-moi ça comme c'est beau. Eh, la terre est plate ou quoi? Oh, ça va, hein. Magnifique. Magnifique, magnifique. Que du bonheur. Et vraiment, merci beaucoup encore du fond du cœur. J'ai pas pu le faire, bah, entre temps, je pense, parce que je tourne cette vidéo à l'avance, hein. Désolé pour l'incrustation fond vert qui est complètement dégueulasse aujourd'hui. Quelques petits problèmes. Bref. Merci beaucoup, hein, pour vos soutiens, notamment en super chat sur le dernier live. Et en tant que membre de la chaîne, ceux qui sont sub à la chaîne, mais vraiment merci beaucoup, merci infiniment à vous. Et parce que j'insiste, hein. Si on suit on va suivre la légende. Parce que je fais mes vidéos par passion, y a pas de problème, je gagne de l'argent à côté, mais je suis pas. Voilà, c'est pas vraiment. Ah, c'est limite, quoi. C'est limite. Je suis pas au mieux. Mais imaginez-vous cette vidéo que vous voyez là. Imaginez, on suit la légende. 1€ les 1000 vues. Sachant que c'est complètement faux et que c'est complètement moins. Voilà. Bah imaginez, voilà, cette vidéo elle fait 2000 vues. Et bah ça fait 2€ dans le monde des bisounours, hein. Dans le monde des bisounours, hein, je vous dis bien. Voilà. Et ben juste un sub. Un sub, c'est quoi? C'est 4,99€. Bon, YouTube il prend une partie, mais ils sont assez généreux par rapport à Twitch. Donc allez, je sais pas combien je prends, mais bref. On va dire je prends 4€, même si c'est peut-être moins, peu importe. Mais bref, 4€ pour un sub. Et ben voilà, c'est déjà. Alors qu'à côté, toi t'as fait une vidéo qui va te rapporter 2€ dans le monde des bisounours, hein, attention, hein. Que t'auras. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, en termes de soutien, c'est un truc de ouf quand vous faites des super chats ou que vous vous sub à la chaîne. Et encore une fois, vraiment, il n'y a aucune obligation. Bien au contraire, tout le monde est à la même échelle. Il y a tout le monde à la même échelle, tout le monde est à la même hauteur. C'est pas parce que voilà, il y en a qui sont sub et d'autres qui sont pas sub que nani nan. C'est pas parce que Seb est sub à la chaîne que je vais plus lui répondre à ses commentaires qu'à un autre qui n'est pas sub, etc. Bien évidemment, c'est pas du tout le but du jeu. Bien au contraire, soyez-en rassurés. C'est juste du soutien, c'est juste bonus. Mais moi, c'est même plus que bonus, quoi. Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, concrètement, ça fait extrêmement plaisir. Il y a pas de barrière ici. 234€. Ah oui, si j'avais su, j'aurais pris le ferry, hein. Je suis sûr, c'est moins cher. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Allez, c'est parti. On va pouvoir rouler de nuit. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est stylé parce qu'avec ce camion-là, est-ce que vous pensez que ça s'allume là, les guirlandes en haut? Parce qu'en vrai, ça s'allume pas. Alors peut-être que la nuit ça s'allume, je sais pas. Franchement j'en ai absolument aucune idée. Oui ça clignote mes gyrophares. Eh oui c'est mes gyrophares. Incroyable, attendez on va faire une petite vue, hein. C'est la discothèque Mco Party. Non mais attendez, on peut carrément faire un camion discothèque en fait. On peut carrément faire un camion discothèque, bien sûr. Oh ça c'est stylé de ouf. Ça c'est stylé de ouf. Là on est très très bien. La voiture qui me double, elle angoisse là parce qu'elle voit que ça clignote dans tous les sens. Je peux comprendre parfaitement. Je peux comprendre parfaitement. Vous avez vu ces roues comme elles tremblent? Chelou. En tout cas, voilà. Alors là, il nous reste, hop, 4 heures de route. Ah ouais, mais attendez, mais... Attends, là on sort. Là on sort, j'ai pas mis le clignot, c'est pas grave. Hop, dernier moment, toujours. Merci pour les conseils, je crois que c'était Feli, il me semble. Bah du coup je mets pas le frein moteur, voilà, je mets pas, enfin le frein moteur, le ralentisseur du coup apparemment quand il pleut ou quand il neige c'est suicidaire. Donc je ne savais pas, hein, le but évidemment. Encore voilà, c'est cool parce qu'encore aujourd'hui j'apprends des trucs. Après ouais ça paraît logique une fois que tu le sais, c'est vrai, mais sur le jeu c'est ça réagit pas de la même façon. De toute façon donc voilà. Donc là j'anticipe et je ne freine pas avec les gros ralentisseurs quoi. Et là, on rentre dans un petit village qui s'appelle Le Linge. Donc, quand vous avez besoin, évidemment, de vous habiller, vous demandez le linge. Bon, bref. En tout cas, voilà, merci à tous. Jusqu'ici, tout va bien. Alors là, j'ai l'impression que les gens... Il y a des vélos? Frère, depuis quand il y a des vélos sur le jeu? What? Depuis quand il y a des vélos sur le jeu? Ok, je découvre un truc qui doit exister depuis la nuit des temps. Mais c'est génial! Il y a des vélos qu'on doit doubler. Non! Oh, les lumières s'allument! Les guirlandes sont allumées. Alors, c'est pas comme ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, je pensais que ça clignoterait dans tous les sens, à vrai dire. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très, 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 très sympa. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Oh, c'est magnifique.
Moi je trouve ça magnifique hein. Moi je trouve ça... Non mais c'est génial. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime la magie de Noël. Ça va vraiment faire bizarre quand on va quitter tout ça hein. Il y aura plus de neige. Avant il y aura plus de guirlandes. Il y aura plus de lumière dans tous les sens. Vous inquiétez pas, ça m'empêchera pas de faire des trucs un petit peu à la con. Vous inquiétez pas aussi pour le feu tricolore, je l'ai bien vu, mais j'ai pensé à vous, j'ai pensé à moi, je me suis dit non, on va pas non plus. Il faut pas exagérer des bonnes choses. J'ai mis personne en danger. Voilà, hein, à un moment donné, il faut pas non plus exagérer. Je veux bien qu'on rigole. On voit pas le fond de la Nicole. Hop, c'est parti. Ouh là là, là, ça a pas l'air d'être facile pour s'insérer. Ça a l'air d'être même assez complexe, hein. Allez, on peut y aller, mon grand. On peut y aller, mon grand. Je te fais un barrage. Je te fais un barrage. Voilà, merci, messieurs, dames. Droite, gauche, droite. Allez! On est carré, on est tipard, direction l'autoroute. Mais attendez, mais en fait, on est... je ne comprends pas. Oh, mais bien sûr. Ça, c'est dommage ce qu'on vient de faire. C'est pas grave. Ça rajoute un petit peu. Vous voyez, au moins, au moins, on a découvert le cycliste. Hein, parce qu'en gros, on vient de sortir pour rentrer. Puisque du coup, on évite les autoroutes, malheureusement, dans les options. Je dis malheureusement. Voilà, mais au moins, on a pu découvrir. J'ai pu découvrir quelque chose que je ne savais pas. Il fait moins 11. Moins 11 degrés. Non, ça, non, impossible. On serait déjà dans le décor là. S'il faisait vraiment moins 11 degrés, avec comment je roule là, on serait déjà dans le décor depuis très longtemps. Et comme tout le monde roule d'ailleurs, il y aurait tout le monde dans le fossé. Hein. Faut pas me faire croire qu'il fait moins 11 degrés. Hein. À d'autres, hein. À d'autres, mais pas à moi. Je vais enlever, je vais éteindre mes gyro, mes lumières parce que ça va perturber tout le monde la nuit. C'est très dangereux. Déjà que c'est pas légal, hein. Donc pas exagérer. Ça c'est voilà, c'est pour notre petit plaisir personnel, mais c'est pas fait pour déranger les gens. Là, il faut que j'aille à gauche. C'est bien ça? Ah non, pardon, je voulais pas faire ça. Il faut juste rester sur la voie. Voilà. Excusez-moi pour la petite frayeur. Ah, j'aime bien les guirlandes. Ah, j'aime bien les guirlandes. C'est plutôt sympa. Et vous en pensez quoi là en vrai? Alors bon, mon incrustation fond vert là, j'ai un petit fail. Mais là mon visage il est pas blanc comme un cul là, comme dans les précédentes vidéos et depuis un petit d'un petit moment. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et là oh. Le problème c'est que s'il me fait sortir pour me faire rentrer dans la, faut que j'aille à gauche. J'ai le temps. Oh. Pardon. C'est là, c'est dans un jeu hein. Moi je ne m'énerve jamais dans la vraie vie. C'est absolument faux. Mais je ne crie pas comme ça aussi hein. Ça il faut vraiment le savoir. Non mais c'est vrai parce que moi je pense qu'il y en a qui pensent savoir comment je suis en vrai, mais en fait qui ont complètement faux. C'est à dire que autant je ne joue pas un personnage dans mes vidéos hein. Ça il faut le savoir, je suis moi-même. Mais autant quand vous m'entendez gueuler comme ça, il y a un avion qui vient d'atterrir et on n'a rien vu avec le noir, donc ça m'a fait un peu flipper. Mais autant quand je gueule comme ça direct que je suis très impulsif. Oui, dans la vraie vie je suis impulsif, mais je crie pas en fonction de la situation. Là c'est juste parce que ben vous mettez un micro devant moi, je suis là pour animer, je parle. Donc impulsivement parlant, il y a tout qui sort quand il se passe quelque chose, tu vois. Quand je suis dans ma voiture et que quelqu'un m'énerve, impulsivement je peux faire des signes si tu veux. Impulsivement je peux avoir un haussement de cœur parce que j'ai envie de l'insulter, c'est mort. Et je vais même peut-être l'insulter à voix haute, mais je vais pas gueuler. Tu sais, je vais dire espèce de... comme ça, tu vois. Impulsivement. Voilà, je suis quelqu'un de très impulsif. Mais... ou compulsif. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, bref, je ne gueule pas comme je le fais en vidéo en fonction des contextes. Et voilà. Et là, on est en Suède, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Non, mais c'est important de remettre les points parce qu'en vrai, vous... Il y en a qui... Je suis sûr qu'il y en a qui pensent me connaître à 100% parce qu'en réalité, je montre une vérité de moi-même. Parce que en vrai tout ce que vous voyez à 90% c'est réel. Donc autant que vous sachiez ça, comme ça vous me connaissez encore mieux et vous êtes sûr de bien me connaître, tu vois ce que je veux dire. Et les 10% qui sont pas réels, il y a beaucoup de choses hein, mine de rien. Par exemple ma tête, en vidéo, j'ai l'air mieux que ce que je suis en vrai. Ça c'est une arnaque ça les gars. Ça s'appelle une arnaque. Et oui les gars. Ah non mais je vous dis, c'est très important de le savoir hein. Il faut le savoir, ne soyez pas... Et il y en a qui pensent que je suis petit, mais je suis très grand. Et pourtant, je fais que 1m83, mais en fait, comme je suis très maigre, je suis très grand. Voilà. C'est le moment où vous apprenez tout sur moi. Excusez-moi. Hein. Hop, un peu au dernier moment.
Rien de bien grave. Voilà. 172 euros. Que des péages, hein. Eh, ils coûtent cher les cadeaux, hein. Et moi je te dis, ces cadeaux là, ils vont coûter cher au Père Noël, hein. Ça, je te le dis. Et là, je ne vois absolument rien, mais je peux pas mettre plein phare. Il y a un train qui passe, ok, très bien. Je comprends rien. Ok. Je me suis permis de mettre les pleins phares un coup parce que. Mais comme il roule vite, frère! Non, mais c'est abusé, mais attends, mais. C'est un peu. Et en plus, ils pilent devant et tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'essaie de faire vraiment attention et tout. Et les gens, ils font n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà, hein. Et merci beaucoup aussi. Alors attendez, parce que je vous remercie pour le live précédent, c'est très important. Je vous remercie aussi pour la vidéo précédente. Parce que donc c'était un convoi exceptionnel. Ça fait un petit moment par rapport au moment où cette vidéo sortira, c'est vrai. Mais merci pour vos retours. Il y en a beaucoup qui ont souligné le fait. Et vous êtes à chaque fois nombreux et nombreuses à me découvrir sur les vidéos. Donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à voilà, mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. Mais vous êtes nombreux à souligner le fait que mes vidéos sont pas longues. Que ça vous rappelle des vidéos un peu à l'ancienne, donc qui vous font plaisir, et que en fait je suis apparemment un des, enfin que vous trouvez en tout cas, je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres des comme moi, mais je veux dire un des seuls qui fait des vidéos pas trop longues et de ce style on va dire. Alors je sais pas, je sais pas, je connais pas le, j'ai failli rater la sortie, je connais pas le YouTube gang encore une fois de Euro Truck. Mais merci beaucoup, voilà, moi j'espère vraiment que je vous fais kiffer. Et surtout j'espère vraiment que je vais continuer de vous faire kiffer sur la longueur, sur la durée. Parce que bah forcément sur ma chaîne je fais multiples contenus en fonction de ce qui me plaît, de mes envies, etc. Et bah en majorité il n'y a que Euro Truck qui plaît. Donc concrètement bah quand j'essaye un petit peu de diversifier les choses, bah j'espère quand même que derrière ça va suivre toujours de la même façon. Ou au mieux quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est un rond-point, il me fait passer par l'extérieur. Bon, ça, c'est pas très grave. Là, tout au moins, il y a un sanglier, tu le vois pas. Très dangereux, hein. Très dangereux, mais ça me plaît beaucoup. J'aime bien cette petite route-là. Je crois que c'est la fin, là. Ah oui, si, c'est bon, c'est la fin, pour de vrai. Parce que je voyais qu'on retournait sur l'autoroute, mais c'est pas une arnaque, c'est bon. Et là, on va prendre le péage, je pense. Pas du tout. Si. Non, je sais pas où on va, je ne connais pas. Pourtant, apparemment, on est déjà passé par là, visiblement. Non, il y a un rond-point, là. C'est pas du tout un péage, il y a un McDonald's. McDonald's, come like you are. Hey, comment elle est en anglais, la pub, en vrai? Je me pose des questions, les gars, mais débile, mais c'est vrai. On dit McDonald's, venez comme vous êtes. Chez les Américains, c'est comment? McDonald's, come where like you are. What the fuck? Merde! Ça passe. Oui, par contre, il faut y aller maintenant, monsieur. Parce que si je voulais vous encastrer, je vous aurais encastré, hein. Il n'y avait pas besoin de faire ça, hein. Pas besoin de me faire des fucks, hein. Ah, je serais un vraiment bon routier, moi, je pense, hein, en vrai. Hein. Daddy, 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 daddy. Ça me fait plaisir, les gars, parce que je me remets en question une fois par mois, je crois, ou une fois tous les deux mois. Par rapport à mes manœuvres sur Euro Truck, parce qu'il y a des fois je les fais extrêmement bien et puis il y a ces moments où j'ai du mal à les faire, les manœuvres, genre les marches arrière et tout. Et là on est dans une période où je les fais mal, où j'ai du mal à les faire. Et en fait, remise en question, là je suis... Moi, et alors ça me... Je sais pas vous. Il faut dormir monsieur, hein. C'est un mutant le truc, hein. Il y avait deux corps encastrés l'un sur l'autre. Dans mes recommandations YouTube, j'ai beaucoup de vidéos de camions POV, donc genre ceux qui se filment avec leur GoPro, machin. Ou les convois exceptionnels, etc. Je vois la miniature, je vois les titres, à chaque fois j'ai l'impression que c'est du Euro Truck. Je regarde, au bout d'une minute, c'est long une minute, au bout d'une minute de vidéo, je comprends que c'était pas Euro Truck et que c'est dans la vraie vie. Pour vous dire à quel point j'arrive même plus à capter la différence entre la réalité et les jeux vidéo. Est-ce que vous aussi, vous vous faites baiser ou pas? C'est comme des fois il y a des vidéos d'avions. C'est tellement beau. Et je vois ça dure quoi, 1 minute 30. Donc je me dis, c'est quoi, j'ai 1 minute 30 pour regarder un avion qui vole. Vas-y, je vais y aller. Pour moi c'est Flight Simulator 2021. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et à l'inverse, des fois je crois que c'est la vraie vie, mais en fait c'est Flight Simulator 2021. Bref. Donc bref, ce que je voulais dire à la base, ne perdons pas en vue mon sujet de discussion. Et ben c'est que donc je suis tombé sur une vidéo où je pensais que c'était Euro Truck, mais c'était pas Euro Truck. Et donc c'était un gars qui conduisait. Il conduisait d'ailleurs, si je puis me permettre, enfin bref. Des fois je fais des trucs sur Euro Truck, je me dis c'est pas très RP de faire ça, hein.
en réalité les gens le font. Il y a des gens qui font des trucs, hein, doublés par la droite. Ça, tu vois, c'est un truc tout bête, tout basique. Frère, j'ai vu une vidéo YouTube, j'étais en mode, mais c'est quoi le but du jeu? C'est d'avoir les 5 étoiles dans la vraie vie ou c'est... Bref. Et en fait, j'ai vu, mais il roulait à part ça, enfin, c'était un vrai routier, ça se voyait que ça faisait un moment qu'il faisait ça, il... Top. Et au moment de la manœuvre, frère, j'avais l'impression que c'était moi. Sauf que, bah lui, il parlait pas. Parce que moi, du coup, quand tu me vois faire mes manœuvres, tu m'entends dire « Oh putain, n'a rien !» Donc ça rajoute ce truc. Mais en fait, quand tu regardes, si tu enlèves ça, tu te dis « Bah peut-être le mec, il est en confiance et il fait ça à sa façon, tu vois. » Et en fait, j'ai vu le gars, il faisait sa manœuvre, il faisait des tours de... Il reculait, comme moi, en fait. Quand il recule, il fait du droit, 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 gauche, 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 droite, droite, droite. Alors qu'il est droit, hein, il a juste à... Voilà, il a juste à aller tout droit et il fait du droit, 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 gauche, gauche, gauche. Genre comme s'il paniquait. Et pourtant, il avait pas l'air de paniquer parce qu'il disait rien. Il s'est repris à plusieurs fois pour la manœuvre, ça c'est pas un problème, hein. S'y reprendre plusieurs fois, y a aucun problème. Mais c'est vraiment, j'insiste, hein, c'est qu'il faisait du gauche, 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 droite, 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 gauche, gauche. Vous allez voir après quand on fera la manœuvre, je pense que je vais faire à peu près la même chose. Et voilà, ça m'a amusé, donc remise en question, je me suis dit, bah, ça va en vrai. En vrai, ça va, je suis au même niveau. Sauf que moi c'est dans un jeu, lui c'est dans la vraie vie, tu vois, donc en vrai. En vrai, je me dis ça va. Après, je me doute bien qu'il est peut-être mal vu, hein, j'en ai aucune idée. Moi, j'en ai rien à foutre, on s'en fout du regard des gens de toute façon. On en a rien à foutre. Le but du jeu, c'est que la cargaison arrive, que t'as tué personne et que tout est en bon état et que tout va bien, quoi. En réalité, je pense. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a permis de me remettre un peu en confiance et clairement, bah là, quand on va arriver à la manœuvre, alors il va faire nuit, donc ça va être un peu compliqué, mais si il y a une manœuvre à faire, parce qu'il n'y a pas forcément de manœuvre à faire quand on arrivera. Mais s'il y a une manœuvre, eh ben, je vais essayer de donner mon max pour la faire tranquillou bilou et à ma façon, enfin, tant qu'on est dans les lignes, voilà. Parce que c'est vrai, c'était des conseils que vous donniez, il faut pas faire plus d'un tour de volant pour faire des manœuvres. C'était le conseil de Félix, je crois. Après, est-ce qu'il y a vraiment des règles là-dessus? Je suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, je peux vous dire que le gars que j'ai regardé, et là je mettrai pas sa chaîne en description, mais... Il les faisait ses tours de volant, moi je te le dis mon pote, hein. Non mais en tout cas voilà. Non mais ça me fait marrer parce que j'ai vu pas plus tard que ce matin quoi, au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est assez drôle. C'est assez drôle. Ah ouais, je voulais dire un truc. Je m'étais noté la date, c'est pas pour rien, on est vendredi 17. Et donc du coup, le mercredi prochain qui arrive, bah je vais faire en sorte de vous refaire une vidéo Euro Truck, hein, évidemment. Voilà, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en ai plus trop fait. Parce qu'elles se font un petit peu rares et c'est dommage parce que bah là il faut vite faire avant Noël, hein. Donc là mercredi prochain je vous refais une vidéo livraison de Noël. Mais surtout mercredi ce sera tirage au sort des gagnants du concours Eneba. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc encore une fois les gars, si vous n'avez pas encore participé, si vous n'êtes peut-être pas au courant les gars, sachez qu'il y a 30€ à gagner, à dépenser sur Eneba comme bon vous semble, hein. Donc voilà, faites-vous plaisir. Pour ça, le lien encore une fois est en description. C'est une vidéo, c'était la vidéo convoi multijoueur. Vous commentez cette vidéo en mettant je participe et vous mettez un moyen de contact, donc simulation par exemple, je participe, contact@mcolo.fr par exemple, je participe, mon Twitter @mcolooff par exemple, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, donc n'hésitez pas, tirage au sort donc mercredi. Et je vais être très honnête avec vous, je sais pas quand je vais faire le tirage au sort. C'est ça ce qui est bien en fait, c'est que vraiment Eneba me donne tellement de liberté que en fait j'ai même pas prévu d'heure ou de fin quoi. Après voilà, je vous tiendrai au courant. Je me doute qu'il y a personne qui va participer au dernier moment. De toute façon, vous avez large le temps, mais voilà, on verra. Peut-être que je tirerai au sort le matin, l'après-midi, le soir. J'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, les gagnants seront avertis. Donc il y a 3 gagnants. Donc 30€ à gagner sur Eneba, les gars. Et en vrai, je vous redis, hein, parce que je pense que voilà, forcément, c'est pas un iPhone 13. Hein. C'est pas un iPhone 13 que je vous fais gagner, les gars. Je m'appelle Mcolo, hein, je m'appelle pas Joycar, hein. Je suis pas en partenariat avec Cdiscount et bravo à ceux qui le sont, tu vois. Mais 30€ sur Eneba, les gars, sachant que Eneba ça propose des jeux évidemment donc pas cher, hein. Euro Truck il est à 5€, les DLC ils sont à 7€, enfin tu m'as compris. En plus de ça, tu peux acheter des produits d'occasion. Donc avec 30€, frère, enfin y a de quoi faire, tu vois. Et puis même, allez, s'il y a un truc à 35€, c'est là que je dois aller en fait. C'est pas là que je dois aller. Attendez, je vais appeler mon chef. Je vais appeler mon chef, je sais pas où je dois aller. Ça, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, il faut que je regarde. Je ne comprends rien. Oui, je dois livrer, c'est ça, au magasin. Ouais, c'est ça. Ça me paraît vachement bizarre.
On va essayer. Est-ce que ça passe devant? Bien sûr, ça passe. Ah oui, je dois aller là, c'est bon. Ah, j'ai pas de manœuvre à faire. La chance. Ok. Je sais plus ce que je disais. Voilà, oui, je disais, si maintenant il y a un truc à 35€ qui vous intéresse, bah voilà, ouais, mettez 5€, ouais. Oh, faut pas déconner non plus. Mais voilà, en gros, avec les 30€, vous ferez ce que vous voulez. Donc voilà. Commencez à m'exciter. Voilà, messieurs, dames. Nous sommes arrivés à destination. Hop, on descend du camion, bien évidemment. Hop, je suis en dessous du camion carrément. Je suis carrément à quatre pattes. Hop, et puis c'est parti, on va désangler tout ça. Hein. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Moi, je me suis régalé. On est quand même presque sur 40 minutes de vidéo. Mais j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde! Et maintenant, vous savez comment ça se passe quand je termine une vidéo. Voilà, cette fois-ci, je couperai pas au montage. Bah c'est bon, tu peux couper. Qu'est-ce que tu fais encore là?